C'est un peu tôt pour tirer les enseignements quand on n'est qu'à la deuxième journée, mais en tant que troisième fois que je viens conduire la délégation aix-marseillaise, avec la Chambre, avec la Métropole et avec les villes d'Aix et de Marseille, on constate quand même que nous sommes bien améliorés dans la présentation des entreprises, elles-mêmes étant beaucoup mieux préparées pour ce salon, en amont un coaching de meilleure qualité. Ici, les entreprises sont mieux marketées, tout ça sous une emblème, sous une bannière commune qui est celle de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc, pour l'instant, c'est tout bénef. J'ai l'impression qu'elles font de meilleurs contacts et plus nombreux que les années précédentes. Une vraie gradation d'année en année, une vraie amélioration et quantitative et qualitative. Gageons que cet après-midi et demain, ça soit d'un niveau encore tout à fait homogène et performant. Ce qu'on peut améliorer pour l'année prochaine, en termes de positionnement, pas grand-chose, en termes de présentation non plus. Le prochain étage de la fusée, pour moi, serait de travailler sur les à côté, l'attractivité, et donc être encore plus visible au travers d'événements connexes, ou bien en faisant venir des grands noms, la presse mondiale en plus grand nombre sur ces allées-là, et puis également en attirant des VC, des investisseurs, en les faisant venir, et aussi en faisant des événements qui leur sont dédiés. On a besoin des investisseurs de rang mondial. On sait qu'il y a beaucoup d'argent qui circule aujourd'hui sur la place, parce que l'innovation représente le prochain grand marché, enfin ça l'est déjà, mais encore plus le prochain grand marché économique mondial. Et donc, si on veut être dans la course, il faut des investissements. Ces investissements peuvent venir du monde entier, et il faut absolument qu'on les amène chez nous.